Incroyable. Bon, allez. Balle flottante des monts bouillants. Balle flottante des monts bouillants. On y va. Alors, on attaque la partie hardcore du jeu. Hein. On sent vraiment que la difficulté s'est multipliée par 10. 40. 1 milliard. C'est parti. C'est rigolo comme tout ça. Oh! On peut pas monter dessus? Ah si. Ok. Oh, il y a un masquasse en bas là. Ah ok, c'est des masquasses qui soufflent pour... Pourquoi les masquasses ils m'aident? C'est pas RP? Oula! C'est pas évident! Peut l'avoir lui? Ah oui! Oui, donc ça marche bien, regardez, là je fais haut et je tire. Et là, si je fais bas et que je tire. Merde, pardon. Là, je fais haut et je tire. Et là, si je fais bas et que je tire. Ah, bah ça me l'a fait tout à l'heure. Attends, what the fuck? Là, je fais bas. Et là, je fais haut. Hein? Mais ça me l'a fait il y a deux secondes. Attendez, je suis fou quoi. Je suis taré. Je suis devenu taré là, pas un instant. Ah, vous voyez? Là, ça fait haut. Et là, si je retire. Hop, là, c'était en diagonale, diagonale bas droite. Donc, c'était bien cela. Oh, une petite fleur là-haut. C'est la quoi, la deuxième au moins? Ah, c'est la première. Ok, le niveau est long. Le niveau est extrêmement long. Pourquoi pas, hein. Ça ne me dérange pas, il n'y a pas d'inconvénient. Elle va tomber. Ouais. Ah, j'ai senti que... J'ai senti qu'il allait avoir un problème. Merde! Il y a un truc en dessous là. Ouais, cette pièce ne devrait pas être une pièce rouge. On estime que ce sera pas une pièce rouge. Ah, c'est la fin, adieu. D'accord. Yes, yes, yes. Faut vraiment que je pense à remettre l'armure. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je suis mort. Non, pas du tout. C'était un mensonge. Oh non! Au secours! Il me faut des munitions. Attendez. Ok. Alors qu'est-ce que ça va être? C'est bon. C'était faisable. Ah, génial! Ça se passe très bien ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut des cœurs? Non, en vrai, on veut des pièces. C'est par où? C'est pas par là! J'ai sauté en me disant c'est par là, c'est génial. Voilà pourquoi on voulait pas des cœurs. Mais attendez, mais je suis idiot ou quoi? Qu'est-ce que je ne vois pas? Ah, il y a un cadeau en bas. Mais c'est... ça va pas nous donner la suite de notre... Merde. Hop, 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 on se calme. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas en haut? Non, il y a rien en haut.
C'est pas en bas. Oh putain là. Oh putain, j'avais ma main devant, trop marrant. J'étais comme ça, je voyais que dalle. Énorme. Énorme. C'est parce que je joue trop près ça. M'éloigner un peu hein. M'éloigner de vous. Attendez, je vous mange tous. Où elle est? Elle est là. C'est cool ça, j'aime bien, ça me plaît ça. Ça me plaît vraiment. Quand j'arrive à le faire, ça me plaît. Ah la merde! Ah oui, la pila piwelu. Yes, pila babwa, pila papouet, pouet, pouelle, pouet. Mais j'ai retiré la langue. Normalement, ça aurait dû retirer un œuf. Enfin, ça aurait dû remanger. Oh! Oh! Oh non! Je suis mort, on va retourner au checkpoint. Réessayez! Je me suis fait avoir par le GCD. Ah, on doit refaire tout ça. Oh putain, merde. Oh, ça fait beaucoup de choses à refaire. Ok. Bon, là, de toute façon, il n'y avait rien. Bon, le problème, c'est là. Voilà. Pas évident, la hitbox de ces machins-là. Bon, on sent qu'on est plus sur le premier niveau, quand même. Hein. Mais après, bon, je devrais aussi porter mon armure. Ah, mais yes, mais vraiment yes. Ah, je dois refaire ça. Oh non. C'est vachement difficile, ça. Non, mais là, j'ai la strat. Il suffit de manger tous les mascasses. Et là, de go. C'est facile, ça. Et là, paf. Et voilà. Oh oui, là-bas, ouais. Pas là-bas, ouais. Pouette, pouette, pouette. C'est Kiro à côté, c'est pour les bisounours. Non mais grave. Non mais ça par contre c'est sûr. Faudrait être aveugle pour pas... pour pas le voir. Yes. Bah du coup je me suis trompé de touche deux fois. Il me faudrait des cœurs. Ah yes. Y'a les mecs qui vont revenir. Yes. Bah c'est loose hein. C'est bon, c'est pas loose. Yes, 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 yes. Le cadeau aveugle. Alors non, on dit pas aveugle. On dit, je suis viewer et j'ai moins de choses à regarder que toi. Le second plan est regardable pour moi puisque je ne joue pas au jeu. Parce que si vous dites aveugle, je vous bad life en fait. Vous pouvez pas dire aveugle. Alors voyons voir. C'est comme ça que j'aurais dû faire, putain. C'est comme ça que j'aurais dû faire dès le début. Par contre, là, les gens qui s'amusent à dire aveugle quand on dit aveugle, c'est bad life. Les modérateurs, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh non, on est remords. C'est marrant, ces moments de Yoshi où tu sais que tu vas mourir et y'a rien à faire. Mais tu go quand même, tu vois. Oh non, vous doit re-go. Allez, on recommence. Vachement difficile ce jeu. Pourquoi je. Est-ce que le pull est confortable? C'est le pull le plus confortable que j'ai jamais porté en fait. Oups! Non, c'est bon. Oups! Ah non, je croyais que ça allait me tuer. Pas facile hein! Le jeu qu'on a plus le droit de te faire toucher que deux fois. Moins facile hein. Et en plus faut qu'on recommence à chaque fois. Mais là c'est bon hein. La strat mangeage de mascasse, ça marche à chaque fois. Yoshi nage dans le ciel, il est juste trop fort.
Évidemment. Ouais, mais il serait meilleur s'il était dans sa poubelle, quoi. Bon, c'est bien parce qu'on peut vraiment nullifier la difficulté de ce passage. Si on allait chercher des cœurs. 1, 1, 10, 5. 1, 1, 10, 5. 1, 1, 10, 5. Yes! Je voulais tirer la langue et j'ai sauté. Putain, mais c'est fou. C'est fou à quel point je me trompe de touche. C'est vraiment terrible. Hein. En vrai, c'est terrible. Putain, mais toujours au même endroit. C'est fou ça. Je pense continuer encore longtemps, ça fait déjà 5 heures, je sais pas s'il reste beaucoup du jeu. Si, si, je suis sûr qu'il reste beaucoup parce que... Enfin, il reste beaucoup. En fait, en gros, moi je fais pas du complétionniste, mais je fais pas non plus du NI%, puisque je refais les niveaux pour le faire, donc en vrai... Je sais qu'il reste un peu quand même. Mais oui, j'avais dit que je ferais 4-5 heures, là ça fait 4 heures qu'on joue à peu près, en comptant la pause. Donc tranquille. Tranquille, tranquille, hein. De toute façon, on le voit même dans le monde, hein. Je vais quand même essayer d'aller au checkpoint, là. J'en ai un peu marre de me refaire refaire le niveau. Là, avant de choper ça, je vais aller voir s'il y a un checkpoint. Voilà. Et là, on peut aller chercher le truc du temps. Mais yes. Hein? Comment tu fais si t'as pas les 4? Putain, je viens de comprendre. Oh là là, je viens de comprendre que les trucs volaient. Enfin, les trucs s'envolaient si tu restais dessus. Genre, si tu restes dessus, ils s'envolent plus haut. Putain, je viens de comprendre ça, j'avais pas compris. Bah, c'est dommage parce que si j'avais compris avant, j'aurais peut-être pas raté ce truc. J'étais en mode merde. Voilà. Celui-là, j'ai réessayé 5 fois. Ah ouais, ça a pas l'air facile, hein. Ça a pas l'air facile, hein. Ok, on va réessayer. Du coup, on revient en arrière. Oula, oula, faut qu'il y ait les oiseaux quand même. Il faut qu'on aille chercher des œufs là-bas. Ah, les pièces sont pas toutes chopées, c'est marrant ça. Ok. Enfin, super, ça sert à rien d'avoir toutes les pièces. Non! Ça, c'est le problème quand t'enchaînes trop vite. Ok. Il est trop mignon, Yoshi. Bon, c'est fait. Par contre, on l'aura pas au checkpoint, ce qui fait que si on meurt, faudra le refaire. Parce que c'était cool d'aller au checkpoint pour mourir en se disant bon, je pourrais machin. Mais l'inverse est vrai aussi. Ouais. Ah ouais, je me doutais bien. Hein. Je me disais tiens, il va anormalement haut celui-là. Ah yes, j'ai raté la pièce. Très probablement une pièce de type rouge. En vrai ça va, je trouve qu'on trouve quand même pas mal de fleurs sur le premier essai du niveau. Y'a quoi là? Oh, des énormes. Ok. Cool, j'ai tout. Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un niveau où la première fin, c'est avec toutes les fleurs. Pas mal. Pas mal du tout. Très content. Maintenant, faut pas mourir. Après, là, on a quand même de la marge, même si on meurt. Enfin, on peut se permettre de mourir plusieurs fois. Et voilà, 282 pièces, toutes les fleurs, c'est parfait. Après, bon, maintenant...
Au début, on faisait pas la strat de mourir pour revenir et tout, donc parfait. Parfait, parfait. Et là, en plus, on va aller reporter l'armure, ce qui va faire qu'on aura une facilité déconcertante à faire tous les niveaux, évidemment. Pouet, 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 pouet. En vrai, c'est pas mal, hein. 17 pièces sur 20, ça veut dire que si j'avais eu l'armure, j'aurais juste eu 3 pièces rouges manquantes. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Il manquait les pièces rouges du cadeau. Je sais pas si c'était 3 généraux en pièces ce niveau. Ouais, mais après, il est long, hein. De toute façon, plus les niveaux vont être généraux en pièces, plus les niveaux vont être longs, pardon, plus ils vont être généraux en pièces. Pouet, 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 pouet. Allez, une petite machine à sous. Offre spéciale, un coup gratuit. On est obligé de faire le coup gratuit avant de remettre toutes les pièces après. C'était 10 jaunes et une rouge. Ok. Et oui, il y a des packs opening. Un Ouba Ouba. Non. Allez, on se fait les 10 loot. Enfin, les 9 qui restent. 1350 pièces. Blablabla. Et nous vidons la machine. Un avion. Un albatrosol. Énorme, j'adore, vive le gaming. Un ovni doré. Un nid d'albatrosol. Un ovni. Un jus de pomme. Légendaire doré. Un bain de lave. Oh, bain de lave, pas mal. Bain de lave, je prends. Capsule de soda. Allez, bain de lave, je prends. Bain de lave tout de suite, bain de lave. Ba-ba-ba-ba, bain de lave. C'est où? Aucune. Il est là. Pas mal celui-là quand même, hein. La gueule de Yoshi, putain. Bain de lave. On dirait plus qu'il est dans un bain de ketchup. Comme ça, tu es Ragnaros. C'est vrai. C'est vrai que normalement, il nage pas dans le ketchup, hein. On a vu tout à l'heure qu'il était très sensible au ketchup. Et là, pourtant, il se baigne dans du ketchup en permanence. J'avoue. Et là, tu commences le niveau, tu meurs instant. C'est génial. Truc horrible. Allez, on va monter. Vous savez quoi? Je vais aller chercher la gemme rouge et puis je vais stop. On va faire ça, je pense. On va faire ça, on va faire ça. Je vais chercher la gemme rouge et puis ensuite on arrête. Ça ferait pas mal de niveaux quand même. Ça fait minimum 4 niveaux. Je vais épuiser seulement les 10 fleurs souriantes. Je me sens bien mieux. Ah, quand le piston. Terrible, hein. Oh, c'est tout mignon ça, l'arbre qui s'ouvre, pardon. Bienvenue dans la région de la forêt des pins. C'est la forêt des pins argentés. C'est Silverpin Forest. Des glands bien pesants. Bah yes. Eh ben on y va. Merci, merci à tous. Allons dans le monde des glands. Pas très sympa pour le chat, mais bon. Oh, il y a des machins trucs, ça. Ah ouais, je détestais ces trucs dans Yoshi Island. Et voilà, elles sont à tête chercheuse. Dès que tu les énerves, elles sont à tête chercheuse. Trop dur, trop dur. Elle va me poursuivre à vie. Au secours. Ça va faire un combo si je tape celui de derrière. Je peux pas. Combo. Paf. Comment je me cache? Ah oui, comme ça. Que faut-il faire? Wow, énorme. Je me casse, je me casse. Je m'envole vers d'autres cieux. Merci Snoopy pour les 2 ans de sub. Au revoir à tous. Bon allez, on continue. Ah ouais, faut tirer dans le piou-piou. Attendez. Avant de tirer dans le piou-piou et dans la balance de derrière, parce que là il y a un chemin et tout, je voudrais d'abord taper tous les buissons.
Padam pam. Mais je... J'ai juste mangé le mascasse. Mais là, il y a forcément un truc caché, là. Genre là, dans le coin. Non ? Ah, dans le coin gauche. C'est sûr. Oh, il y a des pièces là-bas. Ça sort d'où, ça ? Ah, putain, c'est les pièces là-haut. Oh, la vache. Non, mais là, c'est chaud, là. Il y avait plein de trucs, là. Mais genre que là, il n'y a rien, genre. Bon, par contre, moi, j'ai envie de retourner là-bas. Ok, énorme. Je pensais que ça pourrait me donner une petite fleur, une fleur sourire, mais en fait, pas du tout. Bon, je suis vraiment étonné hein, qu'il n'y ait rien là. Ah, d'accord, c'était sur ce plan là. Là, on. On s'en fout. Un œuf, franchement. Non mais là j'ai raté un truc, c'est sûr, J'ai raté un truc, c'est sûr. Oh ! Ah ouais ? Ouais, jusque là ? Pour revenir sur ce plan, c'est marrant ça. C'est marrant ça. C'est terrible. Ah ouais, non mais c'est sûr. Il y a un nombre de fleurs absolument incroyable en plus dans ce niveau. Y'a rien, hein. Peut-être là, comme ça. Y'a rien du tout, hein. Ça va me saouler, hein. Ça va me saouler quand je vais prendre la première fleur et que je vais voir. C'est la deuxième. Ça va être trop chiant. Mais bon, peu importe. Que voulez-vous, allons-y. Oh, mais là... Là, j'ai plus aucun doute. J'ai plus aucun doute sur le fait qu'on a raté quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok ! Ok, ok. Il faut que je mette un truc dedans. Ok, ça marche, ça marche. Yes ! Du calme, du calme. Quoi ? Ah ouais, d'accord ! Je me suis trompé de touche, Yes ! Yes, encore. Panier piano. Non mais je voulais sauter. Je veux pas tirer dessus. C'est la deuxième. C'est la première. Incroyable. Totalement incroyable. Merci à tous d'avoir cru en moi. Ah ! La vache ! J'étais dans ma vidéo chip paisible. Merci beaucoup Nova Z pour les 5000 euros. Merci beaucoup Nova Z. Incroyable. Non non non. Doucement. Ah on me la fait pas. Enfin, si, on me l'a fait, mais pas tout le temps. Ah ouais, d'accord. Non, mais vas-y, reviens. Ouais, le jeu est trop beau. Oh ! Mais reviens ici ! Mais quelle invention de con !
Oh mon dieu. Oh non. Bah yes. C'est une blague. C'est une blague. Oh putain. J'étais là. Au secours, c'est une blague. Ok, checkpoint. Génial, génial. Oh, j'avais même pas vu. Yes, du coup je voulais tirer sur le cadeau, ça a retiré parce que j'ai fait un combo, c'est génial, super, du coup je peux plus tirer sur le cadeau, génial. Bah juste génial en fait. Il me faut plus d'œufs, il faut plus d'œufs. Il faut plus d'œufs. Oh, un autre checkpoint. Bon bah comme ça si on rate. Ah bah yes. Ça les a changés en... Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Oh ça va. Ah non ça va être dur, ok. Ah non ça va en fait. J'en ai raté une. Où qu'elle est? Ok. Je voudrais monter de l'autre côté, s'il vous plaît. Ah, mais elle était en haut. Ah, mais je peux plus remonter. Je peux pas remonter. Si, je peux remonter. J'allais dire, ouah, putain, belle esquive. Ah, je peux pas remonter. Mais si. Voilà, bien sûr que si. Voilà, bien sûr que si. Bien sûr que si. Je taunte les ennemis. Génial. Quel skill utile. Allons-y. Oh bah il y avait ça, putain. BR ultime envers les glands. Calmez-vous, c'est cru sur Smash. Non, je voulais pas 5 coeurs, j'ai menti. Yes, je me suis trompé de touche, trop bien. Yes, là je me suis pas trompé de touche, je suis juste nul. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un truc Sony D'accord, il faut rassembler trois choses. Bah yes. Ah, il y a un truc là. Il faut y aller par en dessous. Oh non, zut. Il faut faire le tour. Et de 1. Ouf. Faut pas vraiment faire comme ça, mais... Voilà. Ouais. Alors peut-être qu'il faudra aller là, mais voilà. C'est ça que je voulais avant. Et là, il y a sûrement une fleur là-haut, c'est ça? Ouais, voilà. Saloperie! Vous connaissez par cœur! Vous connaissez par cœur! Un petit toboggan? Super! C'est trop mignon ce jeu. On a construit la gare en forme de chat. De chat feuille. Ah, on a construit un arrêt de bus pour attendre le bus. C'est trop mignon. C'est bon, j'ai reconstruit l'arrêt de bus. Maintenant j'attends le bus. Hein? On attendait le bus escalier. Ah ouais merde. Poète poète.
soulève son troisième titre. Merci Devac 34. Le vrai Devac. 3 ans de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 3 ans de sub, c'est beaucoup. J'ai fini les fleurs là, non? Yes, j'ai fini. Bah yes. C'est quoi ces trucs qui tombent au-dessus là? Ça va me faire mal à la fin? Ça va m'arriver sur la gueule? Ah non. Et ben voilà. Eh, quelle propreté ce niveau! Trop bien, en vrai, trop bien. Quelle propreté! First try du premier coup. Trop bien. Finalement, c'est les pièces rouges le plus relou. Qui l'eût cru? La famille de chouettes en pine de pin et en gland. C'est vrai. Merci pour le subprime, Kawardi, merci à Zekros V2 qui s'est sub aussi, Wellroad 76, Puico. Saute pignatas. Sautas, les pignatas. Beandos. Patatos. Bon bah c'est super ce petit jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça très cool. C'est de la 3D ou des photos? Alors honnêtement c'est dur de s'en rendre compte, mais ce qui est certain c'est que tu vois là par exemple les fruits devant c'est de la 3D. Après le fond, honnêtement il y a certains trucs du fond des fois je me demande. Mais tu vois ce genre de truc, il y a des éléments 3D, c'est sûr tu vois bien les polygones en plus. Yoshi aussi évidemment, mais il y a des éléments je me demande s'ils sont pas réels. Du, 3D avec photo plaquée. Qu'est-ce que c'est que ce singe là? Pourquoi je joue avec Narcus? Je l'ai doublé. J'ai oublié Narcus, je suis trop fort. Ouais moi ouais voilà. D'accord. C'était donc des pignatas. Donc il va falloir tous les ouvrir. Yes yes yes. Il nage. Tu nages. Tu nages pas Yoshi. Yoshi. Tu nages même pas. T'es un dinosaure. Tu nages pas. Non mais allô. Et du coup cela devient des plateformes. Ah bah génial. Je me trompe encore de touche. Ah moi j'aurais caché une pièce rouge là-dedans. Sous le carré de la fleur. Tu peux dégager s'il te plaît? DSL. Décontent de prout-prout. Si je fais une attaque rodéo. Ah ouais. C'est des cotonous prout-prout, regardez. C'est vrai en plus. Bring ha. Boulobo. Ah, il y a une fleur là-haut, vous l'avez tous vu. Oui, 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 oui. Mais du coup là j'ai plus le singe, du coup c'est pas possible, non? Ça m'a l'air... Ah si, mais si, faut viser. Oh bah c'est raté. Oh bah c'est raté. Les fameux cotons de prout-prout. Oh ouais, c'est des cotons de prout-prout. J'ai encore raté. Oh, j'ai plus de trucs. J'ai plus d'œufs. C'était la première. Elle est le singe qui envoie des missiles. Bah yes. Oh. Alors là c'est sûr et certain qu'il y a un truc là-haut.
La revanche des singes. Voilà, merci. Merci à tous. Oh les pièces, merde. C'est des singes tour défense mobile. Putain, mais y'a des cotonou prout prout, je suis refait quoi. C'est des cotonou prout prout agressifs. Ah ok, ça tombe et d'accord. T'es juste niqué. Bah yes. Wouhou. Merci Jules pour la nante sub. Talidada pila bah pouet pouet pouet. Wow wow. Trop content. Je fais ça full à l'arrache et j'ai fait 5-5. Oh non! Attendez. Je mange quelques cotonou prout prout. Yes! Trop content qu'il y ait des mobs à côté pour bien gêner. J'ai plus assez d'œufs. J'ai plus assez d'œufs. Bah yes. Oh puis non, vous savez quoi? Je le referai, je ferai que ce moment-là. Et ça, c'est un peu de la merde quand même. Hein. Je veux pas dire, mais. Mais je le dis quoi. Mais yes. Mais yes! Mais yes! Mais yes! Merci beaucoup à Emasculator d'avoir offert 5 subs à la communauté Zerator. Merci beaucoup pour ta générosité, Emasculator. Pourquoi je... j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, merci. Ah mais c'est pas par là en fait. En fait c'est par là. Yes. Des cotonou prout prout encore. Mais genre les cotonou prout prout ils font mal. Hop. Je pourrais faire un effort quoi. Il est là, ouais. Bon, attention! J'ai Nintendo ici. Très souvent du Nintendo. Hein. C'est que cette connerie là. Aucun stress. J'ai jamais douté. J'ai jamais douté de ma capacité à faire ce. Ce timing puzzle enigma. Yeah, shit. Alors, ce qu'on va faire, ça. Tu dégages. Et ensuite, on va faire ça. Ah ouais. Mais est-ce que c'est vraiment un chemin? J'ai quand même envie de redescendre. Ouais, mais non. Ça sert à rien. C'était juste... Y'a rien, vous êtes sûr? Oh, ça avait l'air bien chiant en plus. Ouais, oh, ça avait l'air chiant. Ça avait l'air chiant par là. Hein. Oh putain, j'étais en mode qu'est-ce qu'il faut faire. On y va. Le singe il vole des œufs. Peut-être. Non, mais par contre, j'ai passé l'âge de me faire emmerder par des plantes piranhas. Voilà. J'aurais peut-être pas dû. Ouais. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Génial. Allez, enclenche-toi. J'ai plus d'œufs. J'ai plus de d'œufs. Ah, j'ai voulu go et je me suis dit ouais. Oh j'aurai le temps. Oh il fallait. Il faut go.
Ouais, énorme. Salut à tous. Ah, ça fait peur, mais en vrai c'est facile. Du coup, j'ai raté une fleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Oula, j'ai rien demandé moi. Courez! Ah non, d'accord. Oh la taille! Très bien. Bravo! Bon, c'est bien. Bon, c'était. Honnêtement, les deux niveaux d'avant étaient très propres. Celui-là était un peu moins propre. C'est vrai. Mais on va y retourner avec une armure pour choper cette première feuille, cette première plante qu'on a ratée. Et la deuxième. C'est vrai que la deuxième, un peu déçu. Hein. Un peu déçu. Arrête de sauter à la fin. Pourquoi? Je fais ce que je veux. Tu gagnes en pièces les œufs que tu ramènes, c'est ça? Probablement, ouais. Tu gagnes une pièce par œuf en fin de partie. Ouais, ben non, j'avais pas remarqué. Bravo à vous. J'aimerais que tu m'amènes quelques trouvailles de la région, la forêt des pins. C'est parti. J'ai besoin de ça, souris en bois. Il me semble bien avoir vu cette souris prendre un arrêt de bus. Si tu vois l'objet dont j'ai besoin, alors je suis un œuf. Mais ça fait chier parce qu'en vrai, non mais ils sont chiants, franchement. Ils sont chiants parce que oui, une souris en bois, d'accord, mais après faut revenir et c'est chiant. Donc on n'y va pas. Allez, on s'éloigne un peu là, il va me falloir de la vision, du champ de vision de l'espace. Qu'est-ce qu'on a raté, je me souviens plus. Ah ouais, DSL le singe tout à l'heure. Hein. Je sais pas si on peut le choper. Désolé le singe, j'ai pas le temps. Hein. On s'appelle. Ah! J'ai pas remis l'armure. Yes. De toute façon, on a fini avec 20 HP, je crois. Wow! C'était ça qu'on avait chopé, non? Je crois que c'est celle-là. Me rappelle plus. Il me faut des œufs en masse. Il me faut des œufs en masse. Sinon je vais encore rater ma race. On y va. Je vais enlever ça. Ah ouais, d'accord. Ça c'était quand même un petit peu un indice vite fait quoi. Mais j'ai plus d'œufs. Mais c'est génial, ça a des pommes directes. Quoi? Non, je voulais des œufs. Je voulais des œufs. Merde. Attends. Mais lui, il lance des œufs, lui. Putain, j'aurais pas dû le buter, qu'est-ce que je fous? J'ai 3 œufs, ça suffit pas. Je n'ai que 3 œufs, ça. 3 œufs, ça ne suffit pas. Il faut que je trouve d'autres œufs. Ok, pour que je puisse pas rater le niveau. Ah! Toi, t'en as, toi. Je vais aller ouvrir ça. Tu peux descendre, s'il te plaît? Merci. Yes! Trop content! Attendez. Yes? Tu peux remonter, s'il te plaît? Ok. Alright! Ah oui, c'était ça! Je sais pas si j'aurai assez. Hein. Bah, histoire du gros, faut juste attendre qu'il sorte. Et ensuite on fait paf paf! Genre là. Voilà. Paf paf. Pouet, pouet. Bon, maintenant faut juste pas mourir.
Ce qui normalement devrait être assez facile, mais on sait jamais. Putain, mais ce singe, j'ai toujours pas compris à quoi il sert. Hein. Il prend la fleur, vous avez vu? Truc de malade. Putain, truc de malade, il prend la fleur, quoi. Ok, je savais pas. Ah oui, non, ça c'est le truc que j'ai jamais douté. Je m'en souviens maintenant. Ah oui, non, on sait pas où elle est la dernière. On sait pas où elle est, donc tant pis. Alors je suis allé en haut tout à l'heure, donc là je vais aller en bas. Même si ça doit me coûter la vie, il faut que je vois ce qui se passe ici. Ah ouais, c'était vraiment rien, c'était vraiment de la merde, quoi. D'accord. C'était vraiment mieux d'aller en haut. Hop, 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 on se calme. Là, à mon avis, faut les laisser tout détruire. Et à mon avis, au bout d'un moment, il va y avoir une fleur. Voilà ma théorie. C'est ma théorie. Je pense qu'elle est bonne. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment? Ah bah yes. Bah super yes. Et ben bah, c'était le... Là, il y a aucun stress à avoir. Tout va bien. Est-ce que ça me bute si je reste là? Expérience scientifique. Hey, yahoo! Et non, ça ne me bute pas! Yoshi, Yoshi! Bon! On va se faire une petite dernière session. Donc là, c'était vraiment la VOD de la propreté. Hein. Tout était extrêmement propre, bravo. C'est la fin de Saut de Pignatas. Et voilà, pas fâché d'être arrivé à la fin de ce niveau, mais honnêtement, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'encombre. On commence à se familiariser avec le jeu, on arrive à faire de mieux en mieux les diagonales, entre autres. Et là, on va donner à manger à ce mec. Ce sera au prochain épisode YouTube. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous raconter après ces 15 fleurs souriantes? On ne sait pas!